Jamais. Higo, donne-moi la maille. Donne-moi le bail où je brise la vie. Elle peut s'acheter des nouvelles fringues. Elle bosse pour nous sur Viva Street. À quoi bon on sert de jouer les dingues? Yo, c'est Datamix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo va vous plaire parce que déjà on est le soir d'Halloween, vous pouvez voir, enfin vous pouvez le constater tout simplement. On est le 31 octobre et ça fait assez flippé. Déjà d'une, j'ai assez peur qu'il y ait un culture qui surgit de n'importe où parce que comme vous le savez, le soir d'Halloween il y a déjà quelque chose qui déguise pour le fun quoi, pour faire flipper, mais bon c'est des fake clowns. Bref, j'espère que cette vidéo, va vous plaire. Donc on se retrouve pour un winning challenge. Donc bah il y a mon vélo qui est ici. Putain, c'est grave galère à filmer. En plus dans cette rue il y a beaucoup de voitures qui passent. Donc on va se dépêcher, vous inquiétez pas, les pokémons se dépêcher. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis bonne vidéo. Peace. Yeah. La victoire est imminente. Depuis le platine, je me la coule douce. Maman, prépare-moi le couscous. Tous ces rappeurs sont à bout de souffle. Je suis serpent, tarte et pouf souffle. Ça marche pour nous et t'as les boules. À ta tête, je vois bien que t'es déçu. Fais péter la canette de Red Bull. Frérot, y'a ma tête dessus. Donc, poto, on est parti pour un winning challenge. J'espère que ça va vous plaire. Donc, dans la précédente vidéo, enfin dans l'épisode 1 du winning challenge, vous étiez nombreux à me dire que j'étais pas très bon. Mais vous inquiétez pas, attendez, vous dire qu'il passe. On s'emballe. Donc je disais, vous étiez nombreux à dire que j'étais assez nul, mais c'est normal parce que je viens de commencer les winning challenge. Donc c'est un peu normal que voilà, j'étais débutant quand même, que vous comprenez. Bref, donc depuis le dernier épisode jusqu'à ici, il s'est passé pas mal de temps. Donc vous vous en doutez que je me suis entraîné, j'ai pas filmé en vidéo, ouais, j'étais hors caméra. Et bon bref, c'est parti, on commence directement. Let's go. Je suis toujours pas un pro, donc calmez-vous en commentaire les potos, mais bon, je me suis amélioré, donc c'est ce qui compte. Bref, on va mettre en plateau 2, je pense. Et on voit hyper mal. On voit mal. Dans cette rue, il y a beaucoup de gens qui fêtent Halloween en clown qui passent ici, donc ça va être assez chaud. Par contre, ce que j'ai à dire, l'équipe, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est le cas, like, commente ou partage. Hein. Et c'est parti. Puis, de toute façon, vous avez remarqué, mais quand je lève en Y, et ben j'ai tendance à lever le pied en pied, je sais pas pourquoi. Mais bon, là, on va essayer quand même de s'améliorer. Donc, allez, c'est parti. Let's go. On se fait du poignet. Allez, c'est parti. Donc c'est reparti les potos. Donc c'est reparti pour le winning challenge en compagnie de Ewix. Salut tout le monde, Ewix. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Enfin, je l'ai déjà dit, bon, c'est reparti parce que là on a bouché d'un droit, il y a eu beaucoup de choses qui passaient, mais c'est toujours la même rue. En gros, dans cette rue, il y a beaucoup de personnes qui font Halloween parce que je vous le répète, on est le 31 octobre. Il y a beaucoup de personnes déguisées en clown qui viennent pour faire juste peur, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Mais bon, on va quand même faire Halloween challenge parce que nous on est au niveau, je sais pas qu'on ouvre un petit peu, mais. Bref, donc allez, c'est parti. Il y a les Khandek, Oh là là, il est chaud. T'as malade ou quoi, fille, après on y va. Oh, pas mal, il était pas mal celui-là. Pas mal. Allez, monte tes quais. Là, je le sens bien, là. Oh. Allez, monte tes quais. Je crois que je fais rire. Voiture. Yeah. Mais putain de tarasse là. Ah.
Attention. Des gens. La putain de tarasse. Sérieux là? Hé la putain de tarasse. Contenez-vous ici même. Aujourd'hui nous allons défier, enfin non, relever le défi de l'abonné qui m'a défié. Donc ça fait ce cause. Donc ce défi c'est très simple hein. Ah oui aussi j'ai oublié de revenir sur un point, c'est que nous sommes le jour. La première partie je l'ai fait la nuit, la deuxième partie je l'ai fait le jour parce que dans la première partie j'avais oublié de relever le défi de l'abonné, donc voilà. Comme ça c'est mieux et comme ça c'est fait. Bref, j'espère que ça va vous plaire. Et donc son défi c'est de passer un trottoir de ce style ou de ce style là-bas. On va essayer de réussir aussi. Si vous voulez me faire des défis, si vous voulez que je relève vos défis, bah vous faites un défi, vous mettez sur YouTube et vous mettez j'ai défi Natomix, comme ça j'ai marqué ça pour regarder tous les abonnés qui m'ont défié. Je ferai peut-être une vidéo spéciale où je défie les abonnés en winning challenge. Je pense pas que ça... Enfin je pense que vous êtes assez fort, donc on verra. Bref c'est parti. On va pas plus babater. J'ai pas eu le temps de voir. T'as pas filmé? Si j'ai filmé mais je sais pas si t'as bien filmé. Putain, t'es pas sûr des images. Yo, j'ai les potes. Oui. Donc enfin Ro plutôt. Y a Ewix qui est parti. Je sais pas où. Je sais pas, il m'a pas dit où il est parti. Donc je pose la caméra et on va faire quelques petits wheelings. Bah pour vous, tout simplement pour vous faire plaisir comme d'habitude. Voilà. Oh. Voilà, c'est parti. Pour me faire plaisir avant tout aussi, enfin, let's go. C'est hard, mais je vais m'entraîner parce que... Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a diverti une seule seconde, ça m'aurait fait plaisir. Donc c'est un prank, bien sûr Ewix m'a fait un prank. Oui, je sais pas si je vais le dire en début de vidéo, en tout cas ça sera marqué dans le titre parce qu'il m'a bien prank. La deuxième fois d'affilée qu'il me prank, j'ai un peu des boules. Mais dites-moi des idées de vengeance en commentaire, s'il vous plaît, parce que je compte sur vous et je lirai tous vos commentaires. S'il y a une bonne vengeance que je peux lui faire comme prank, ça me fera plaisir un petit peu. Bref, donc Ewix, explique-nous comment t'as eu cette... C'est ouais, c'est il est trop parce que moi j'y ai cru. Mais les clinchers ça n'existe pas. Donc voilà, moi j'y ai cru, mais je crois que c'était des clinchers fake, des fake clowns. En gros des mecs qui se déguisent pour faire peur aux passants, pour rigoler. Donc moi j'y ai cru sur le coup. Mais quand j'ai vu ses chaussures et quand j'ai remarqué que c'était son déguisement à lui, je me suis dit, alors qu'il m'a bien prank. En fait lui il m'a dit ouais je reviens. Donc moi pendant ce temps je l'ai profité pour faire quelques petits winnings. Pour vous faire plaisir tout simplement. Et voilà, il m'a prank. Dis-nous comment t'as eu cette idée de prank. Parce que franchement, j'ai cru sur le coup. J'ai remarqué que c'était tout simplement Ewix. Hein. Bah vas-y, explique-nous comment t'as eu cette idée de putain de prank de merde de mes grosses couilles. Donc explique-nous comment tu as eu cette idée, Ewix. Alors en fait j'ai décidé parce que et en fait après j'ai dit des exemples pour te faire peur. Justement j'ai le buffet, voilà. Ah
Bref, j'espère que cette vidéo vous sera plus qu'elle n'était pas. Likez, commentez ou partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à plus tard de prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao, peace.